Salut mes amis et bienvenue à la maison. Au menu, curry d'agneau. Ce n'est pas une recette typiquement indienne, mais un souvenir de mes stages de l'école hôtelière lorsque mon chef me demandait de faire à manger au personnel. Donc cette recette est dédiée aux débutants. L'élément principal sera épaule d'agneau, 1,3 kg, toujours à la même adresse, chez mon maître boucher. Les éléments pour la cuisson seront oignons, paille, carottes et ail. Et les éléments d'accompagnement seront brocoli cuit 2 minutes, départ au salé, bouillante, et le riz 7 grains avec laurier éteint, poivre du moulin et sel. Les éléments de mouillement seront tomates en dés, liaison farine et un fond d'agneau hyper corsé dont j'ai retiré les légumes pour faire une soupe. Et voilà. Bien entendu, ne pas oublier le curry. Curry standard, pas fort. Première des choses à faire, épaule, table. Balance terminée. Comme ça. Je l'ai désossé. Les os seront pour le chien. Ceci terminé, je retire grosso modo le gras. Comme ça. Tourne. Je retire les nerfs comme ça. Pas trop. Changement d'équipe, couteau jaune. Un petit peu ici aussi. Couteau au repos, tourne. Gros couteau ouvert, on coupe en morceaux. Environ un pouce de côté, comme ça. Terminé. Maintenant, passons à la cuisson. Feu allume, comme ça. Huile végétale, une larme, comme ça. Viande de la casserole. La viande dans la casserole et je la fais revenir. Les oignons, je vais les couper assez petits, comme ça. Les oignons rejoignent la viande. Et je remue comme ça. Les carottes en gros morceaux comme ça. Carottes avec les oignons. Et je mélange comme ça. À feu très vif. Maintenant l'ail. Écrase comme ça. Semble concasse. L'ail concassé grosso modo rejoint la casserole. Et je mélange comme ça. Il faut que mon agneau et mes légumes sont bien rissolés comme ça. Je singe. Farine. Deux bonnes cuillerées. Une, deux, et je mélange. Maintenant le curry. À discrétion, j'en mets trois bonnes cuillères. Une, deux et trois. Et je mélange. Maintenant, tomate en dés, 1 demi-litre, comme ça. J'ajoute le bouillon d'agneau à hauteur. Et je mélange. La couleur est super belle. Maintenant, le poivre et le sel. C'est assez. Voilà, le plus gros est passé, je baisse le feu, je laisse mijoter pendant 1 heure, comme ça. Après 1 heure de cuisson, mon curry frémit de bonheur, je le mets au fond, comme ça, allume. Le riz 7 grains, 300 ml de la casserole, comme ça. Je le mouille à 900 ml de bouillon, comme ça. Verse casserole. Allume maximum. On attend que ça boue. J'ajoute thym, feuille de laurier, sel, poivre. Comme ça. Je mélange. Le riz boue. Couvercle. Je règle le feu à simmer comme ça. Nous en avons pour 25 minutes.
Après 25 minutes de cuisson, éteint comme ça, je retire les herbes. Les brocolis, je vais les mettre comme ça pour les faire réchauffer. Couvercle revient. Le curry d'agneau, donc, après 1h30 de cuisson, le curry d'agneau est prêt. La sauce est super belle, consistance idéale. Le curry, je l'avance comme ça ici. Maintenant, nous sommes prêts à dresser. Assiette chaude. Le riz. Je fais un puits comme ça. Les brocolis, comme ça. C'est assez. La cuisson des brocolis est impeccable. Et le riz, pas de résistance, c'est cuit. Les carottes sont hyper cuites aussi, pas de résistance. Vérification de la cuisson de la viande. Petit couteau rose. C'est hyper tendre. Maître d'hôtel, le curry d'agneau de la table 55 est prêt, on enlève. Merci à vous qui me suivez au Sri Lanka et partenaire. Salut, bye. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez aimé et si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à le faire dans la section des commentaires ici. Nous avons maintenant une page Facebook que vous pouvez suivre dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez voir la vidéo de la semaine dernière, elle est ici.